ici à Washington, des African Awards. Malheureusement, cette année, nous sommes au mois de novembre, nous n'aurons pas l'événement, Corona oblige. Donc, la crise sanitaire nous a obligés à mettre un terme, je veux dire, pour l'instant, à cet événement. Nous osons espérer que d'ici à l'année prochaine, si tout est bien, on va revenir, peut-être pour la 5e édition. Donc, c'est quelqu'un de très inspiré qui fait beaucoup pour les communautés. Et quelqu'un m'a posé la question, il vient de très loin parce qu'il a appris qu'il y a l'événement ici. Et lorsqu'il a vu ce décor bien planté, il m'a posé la question de savoir de quoi il s'agit. S'agit-il d'un mariage? Non, je pense qu'il s'agit tout simplement, pour répondre à l'invité à la question, c'est l'anniversaire de Maréchal Thiano. Il a un an de plus qu'aujourd'hui, mais il ne sait pas que nous sommes ici pour célébrer cet événement. Et j'ai pu vous rassurer qu'en fait, hier soir, nous avons eu l'opportunité d'être avec lui pour célébrer ce beau moment. Nous avons passé toute la nuit ensemble et je pense que quand il prenait son sommeil, il n'imaginait pas qu'on allait se retrouver ici pour lui. Donc, vous allez certainement lui faire une grosse surprise aussi à son entrée dans cette salle. Et je pense que la plus grosse surprise reste vos cris, vos applaudissements et bien d'autres. Et je ne suis pas mieux placé que Honoré Fomecom pour parler de Maréchal Thiano. Il y a beaucoup de personnes ici qui connaissent Maréchal Thiano. Je pense que Gano Black est là, il peut nous inspirer. Fleury Lambert également est là. Donc des personnes qui ont connu et qui connaissent d'ailleurs Maréchal Lafond. Et je crois que c'est quelqu'un de bien, de merveilleux. Vous aurez l'occasion de le découvrir une fois de plus dans cette salle honorée. Merci, ça fait au grand honneur. Maréchal Thiano, qui est, comme vous l'avez si bien dit, l'un des précurseurs de la jet set washingtonienne. Comme vous le savez si bien, sa fille parlait des African Awards de Washington. Mais avant les African Awards de Washington, on a eu des concerts organisés ici avec Maréchal Thiano. On a eu Charles Tipanda, on a eu les Kassav, on a eu Henri Dikongen, on en a eu tellement ici à Washington DC, dans le DMV et même en tournée américaine. Avec le maréchal Thiano, on a eu beaucoup à janvier, les dimanches et j'en passe. Sachez simplement qu'il n'est pas facile de parler de maréchal Thiano, surtout que c'est un homme à multiples facettes, un homme à multiples casquettes et facettes. Alors, maréchal Thiano, comme vous le savez si bien, sa fille l'a dit, hier soir, on était chez lui dans ses appartements privés. C'était des privilégiés qui y étaient. Pas que vous n'êtes pas privilégiés. Parce que vous êtes ici ce soir, vous êtes super privilégiés. Parce que ceux qui l'ont fait en amour, hier soir, font partie de ces super privilégiés comme vous. À cause des restrictions, on n'a pas pu avoir toute cette foule dans ces appartements privés hier. Mais sachez simplement, comme on a dit sa fille, ce soir, Maréchal ne sait pas que nous sommes ici pour lui. Il va arriver d'un moment à l'autre et il y aura cette déferlante. Et ce soir, on a Armand Laglace. Oui. Armand Laglace qui est un artiste qu'on ne présente plus parce que je l'ai connu à Douala. Et c'est un artiste plein de talent, tout comme Steve Paxamo qui vient du Cameroun il y a quelques mois seulement qu'il est là. Il y a aussi le général Bifaga qui a accepté de venir pour honorer cette soirée. Je pense qu'avec ces artistes de classe et de renom, nous allons faire une très belle soirée. Mais je veux préciser aussi qu'il y a des personnes qui comptent pour la communauté. J'ai noté ce que c'était. Ils sont nombreux. La marraine de la 4e édition des African Awards de Washington, juvénile. Je vais voir ici devant, je vais les connaître s'il vous plaît. Une très belle femme d'ailleurs, une africaine qui apporte son concours chaque fois que besoin se fait sentir aux African Awards au Washington. Est-ce qu'on peut applaudir pour la marraine de la 4e édition? Elle tient encore la palme d'or de cet événement et je pense qu'on attend encore celle qui sera la marraine de la 5e édition parce qu'elle a mis la barre au sommet. Donc il est question de la détrôner pour prendre cette place lorsqu'on organisera la 5e édition des Africains dans Washington. Évidemment, on va l'organiser et on aura peut-être une nouvelle marraine ou alors on va continuer avec la marraine de la 5e édition. Gagneur Vlad Le Boucantier, il est aussi artiste musicien, il est dans la salle, il est venu dire joyeux anniversaire à Maréchal. Et comme je vous l'ai dit tantôt, on a Paul Bewe qui est organisateur des spectacles, qui est venu de New York. Qui est parmi nous. C'est bien. Ouais. Tommy Bozard. Tommy Bozard, on le présente plus Tommy Bozard, Martin Ouéladi, le docteur Ouéladi, ils sont là dans cette salle. Tout à fait. Je vais, si tu permets, sa fille,
demander au grand frère Fleury Lambert Kanga, l'un des précurseurs de la com ici dans le DMV, par le Camerounais, pour moi dire une ou deux choses. Fleury Lambert Kanga. Il y a un microphone et... Le jeune frère me prend au dépourvu, mais c'est pour la bonne cause. Nous sommes là, n'est-ce pas, pour soutenir le maréchal Tiano. C'est un plaisir de rencontrer Saphir Star ici. Merci. Tout le monde, vous êtes charmant. Hein. Vous êtes très beau ici ce soir. Malheureusement, c'est un jour qui ne me plaît pas beaucoup. J'ai pas trop envie de parler aujourd'hui. Hein. Et vous savez pourquoi. Hein. J'ai pas trop envie de parler aujourd'hui, là. Mais à la fin de la journée, nous connaissons ce que c'est qu'une élection. À la fin, il y a un gagnant et on applaudit pour lui. Mais pour l'instant, nous n'avons pas encore gagnant. Nous attendons simplement que le maréchal Tiano arrive ici. Bonsoir, bonsoir au VIP, bonsoir au VVP. Je vais peut-être revenir. Je sais que vous aimez me voir parler. Je vais vous priver de cela pour un moment. Je reviendrai. Merci. Merci. On a demandé les marches et la descente de son avion spécial pour pouvoir dire joyeux anniversaire. Alors, samedi du champagne. Allez, on se retrouve, on dit les invités volontaires qui devaient sortir pour accueillir Maréchal Tiano peuvent le faire maintenant parce qu'il arrive dans quelques secondes seulement. C'est bien ça, Honoré? C'est bien cela. Voilà, s'il vous plaît. Maître Cécile. Ouais. La Madeleine. La Madeleine. On se retrouve à l'extérieur, s'il vous plaît. Tous les Mozart. Ouais. Tous ceux qui ont présenté, les dames en bleu, les messieurs, tout le monde en blanc. On va suivre Maréchal à l'extérieur parce qu'il ne sait pas ce qu'il attend. Ciao. Je vous en prie. Ciao. On va à l'extérieur, tout à fait. On va lui accueillir Maréchal Tiano. Par contre, l'étudier. Oh, docteur Benali, est-ce qu'on peut sortir? Est-ce qu'on peut aller réserver cette surprise? Le plomb. Allez, Bruno. On va accueillir le chien. On va... Mais président, c'est comment? Yeah.
vous en prie. On peut s'installer. Le maréchal Diallo. Le calme revient. Le calme revient. Je vous avoue que maréchal Diallo est dans cette salle comme présentateur d'un événement. Et curieusement. D'un baby shower. Et d'un baby shower pour être précis. Et curieusement, il se trouve dans ce décor férique, un cadre magnifique, non loin de sa dulcinée. Ce n'est pas pour célébrer son mariage, mais son anniversaire. Un an de plus pour maréchal Diallo. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Est-ce qu'on peut applaudir pour maréchal Diallo? Est-ce qu'on peut l'applaudir, mesdames et messieurs? Je n'entends rien dans la salle. Je n'entends rien pour maréchal. Est-ce que c'est un maréchal qui est dans cette salle? Est-ce que c'est ton maréchal qui est là? Je n'entends rien. Je n'entends rien. Je n'entends rien. Je n'entends rien. Merci. Merci. Peace. Oui, les gens ont fait quelque chose. Magnifique. Honoré. Merci, Saint-Pista. Merci. Maréchal est là. C'est lui qu'on attendait. Je vais simplement vous demander une fois de plus, comme les anglophones le disent dans la Rue Shakespeare, put your hand together one more time for Maréchal, please. Pour la petite histoire, il vous l'a dit, sa fille, Maréchal venait faire le MC d'un baby shower. Mais je peux vous avouer que nous sommes allés au lit 23h, 4h du matin, ce matin. Philippe, fais tout et tout pour qu'on parle. Maréchal n'a pas su pourquoi à minuit, 1h, on demandait aux gens de pouvoir partir. En fait, c'était pour aujourd'hui. Il est là, on va poursuivre le programme. Il va se retirer pour quelques instants. Entre temps, Billy va nous entretenir. Billy, c'est son équipe. On a entendu un traquenard et Maréchal est tombé dans le traquenard. Très bien. Un très bon traquenard, Maréchal. Et il faut le dire, hein, le mérite revient. Je vais vous le dire tout à l'heure, mais il revient quand même à cette dame. Madame. Tiens, nous vous faisons applaudir. Oh, quelle beauté, quelle chère, quelle déesse, la finesse dans le style. Merci, sa fille, Pilis, le grand Jimmy, Benjo, voilà, quel bonheur d'avoir Zaïna ce soir dans cette salle. Regardez la déesse de la chanson. Admirez la classe, la splendeur et la beauté. Oh, quelle voix, quelle dame, maman. Allez, à vous le micro ce soir, Zaïna. Adèle Clarisse, vous accompagnez Zaïna. Ma tête,
Avec plusieurs artistes d'ailleurs, hein, ça une fois, dire. Une fois sur. Envoie la classe. Man for Sawa. Ça c'est une chanson très très bien. Et vous allez le découvrir tout à l'heure. Cette histoire. Mais si vous pouvez nous faire l'homme célébrant, je pense que ça me ferait un grand plaisir dans cette salle. Est-ce qu'on peut faire ça aujourd'hui? Je sais que il ne sait pas seulement chanter, il parle aussi très bien. Maman la classe. Maman de ramasser. Je vous en prie. Bonsoir tout le monde. Pardonnez la voix qui est un peu cassée. Tu veux quoi? Je n'ai pas un bon titre, je vais faire mon passe. Ah. On est au sol. Non. Parce que lorsqu'il y a les tours, c'est sûr, il y a dolo, dolo la sans les dos, le dolo la et dolé, aïe l'on célèbre, l'on célèbre, l'on célèbre, mais sinon la joie est bien. Tu parles de toi, petit. Comment? J'ai dit, toi, tu es un seul. La vie est une. Chantez avec moi s'il vous plaît. Je n'entends pas vos voix, je n'entends pas vos voix, je n'entends pas vos voix. Et c'est la banane. Sophie, 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 Marie Jalot. Thank you.
Ça, c'est sa propre composition. Elles sont dans la tienne ce soir. On applaudit pour les femmes, je vous en prie, on applaudit pour les femmes. Les femmes, on vous adore ce soir, vous êtes charmantes. Merci. Une fois de plus, bonsoir à la Jet Set du DMV. Ouais. Présente dans cette salle, on pense comme ça à Shérif. Ouais, Shérif qui est là. Avec nous. Ouais. Il est bien là, Shérif. Il peut applaudir pour lui-même, Shérif. Est-ce qu'il est là? Il est quelque part, il y a le voilà. Le Chao, il est là, l'homme dur. Tout à fait. Le dur. Alors, pour vos soucis, si vous avez des soucis sur un plan purement juridique, n'hésitez pas, nous avons une des meilleures sur la place de DMV. Elle est dans cette salle ce soir. Maître Cécile Nantois, s'il vous plaît. Elle est là. Maître Cécile Nantois. Ouais, super, maître. N'hésitez pas, cherchez. Voilà, on va peut-être. Voilà, c'est donc madame Thierry. Hey, quelle beauté naturelle. Quel charme à l'état pur. Oh mon Dieu, la princesse. Elle va certainement regagner le siège qui lui est réservé dans cette salle. Ah oui, la princesse magnifique. Des margantés sont à l'honneur ce soir. Ça, c'est magnifique. Le temps, la salle qui est en train de Allez, on va certainement. Le retour triomphant de Mamacha. Maréchal en vrai, maréchal en personne, maréchal en grande nature. Est-ce qu'on peut applaudir pour maréchal qui a un an de plus aujourd'hui? Est-ce qu'on peut l'applaudir très fort? Ça c'est super, honoré. Merci, Sabine, maréchal pour ce soir. Est-ce que le maréchal peut s'asseoir? Hostilités ce soir. Allez, Maréchal, on attend vos ordres, Merci. Une fois de plus, le comité d'organisation, par nos modestes voix, Saphir et moi, vous dit merci. Grand merci d'avoir accepté d'être là ce soir. Grand merci d'avoir accueilli le maréchal Tchiano à deux reprises ici
Ce n'est pas donné. Vous avez démontré qu'effectivement, l'adage selon lequel aux hommes bien la valeur atteint le premier nombre d'années, qu'il est autre que Pulcherie, donc la maréchalette et Pulcherie. Pulcherie Siaké, il faut préciser. Pulcherie Siaké, la sœur aînée de Maréchal. Alors, Pulcherie Siaké, honoré, pour faire court, c'est elle qui va ouvrir le bal des allocutions dans quelques secondes. Dans quelques secondes, très bien. Mais il faut le dire, chers invités, chers convives, le maréchal tient nos sœurs au grand cœur. Si on ouvre la voie au témoignage ici, à 6h du matin, on sera dans les témoignages. Ça va vous rassurer. Parce que moi-même, j'en ai des tonnes et des tonnes et des tonnes. Mais puisqu'on est là pour s'amuser, on est là pour célébrer un an de plus, comme on le dit le plus souvent dans notre jargon, on va simplement s'amuser, on va abréger les allocutions à trois. Donc s'il vous plaît, ne vous enfreignez pas, ne vous énervez pas. Ils sont nombreux qui voudraient dire quelque chose, mais le comité d'organisation pense qu'on est là ce soir pour célébrer Maréchal, manger, boire et danser. Et pour cela, on a amené à trois simplement les témoignages. Safista, je pense qu'on va tout à fait. La première allocution est celle de Pulcherie Siaké. Elle a certainement quelques minutes, peut-être 2 minutes 30. Pour résumer l'essentiel de sa pensée. Merci. Mes chers invités, bonsoir. Je suis vraiment très ravie de voir votre présence ici ce soir. Parce que, honnêtement, je dirais que vous avez bravé, vous avez défié le coronavirus. Parce qu'il n'est pas donné aux gens de prendre des risques et à se présenter dans des fêtes en ce moment. Je dirais encore bonsoir et grand merci pour votre présence. J'ai initié cette surprise parce que je ne savais pas comment dire merci à mon frère pour tout ce qu'il est, pour tous ses bienfaits. Je ne savais pas. J'ai réfléchi, j'ai dit qu'est-ce que je peux bien faire? Qu'est-ce que je peux faire pour lui? Et l'idée m'est venue de faire cette surprise. Et j'ai partagé avec ma chérie Coco qui est là, en la personne de Madame Maréchal. Yes. Au départ, je voulais faire quelque chose de simple. Mais quand elle est entrée dans le jeu, moi-même je ne comprenais plus. Hein. Ça a pris une autre ampleur où moi-même j'étais un peu vraiment dépassée. J'étais vraiment dépassée et j'ai dit, il faut le faire parce que aimons-nous vivants. De conserver vos témoignages, il est déjà parti, il est pouvoir vous suivre, et moi j'ai préféré dire à mon frère, je t'adore. J'ai préféré faire ça ce soir parce que nous ne savons pas quand nous partons, la vie est très courte. Alors très chers invités, je vous dis merci. Merci d'être venu, merci d'être là, merci pour la team, parce que la team va. Je ne vais pas finir ici sans passer la parole à celui que nous appelons généralement notre papa, M. André Jean. Qui doit vous dire même si bonsoir. Tu il fallait que je te dose comme ça. Bonsoir à tout le monde. Je ne vais pas dire ce qu'on a déjà vous dit. Je vous souhaite la bienvenue dans la salle. Merci pour tous. Et au nom de la famille André, je vous remercie pour tout ce que vous avez fait. Surtout au comité d'organisation qui a bien pu mettre les petits cas dans les cours. Et tout se passe bien. Merci. Alors, j'ai retenu une chose. Aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants. Très important. Très important. Merci plus cher Siaké pour ce message. Ça dit tout. Pleine symbolique. Alors maintenant,
il s'est passé quelque chose d'extraordinaire dans la vie de Maréchal. Il passe ses nuits, ses jours, ses moments avec sa dulcinée. Mais elle lui a fait un très grand coup aujourd'hui. C'est pas un coup d'état. Mais elle a tendu un véritable frappé dans la madame. Quelqu'un avait dit sous nos cieux que c'est pas sérieux de faire ça. Monsieur, il faut quand même lui souffler à l'oreille qu'il y a quelque chose pour lui. Il arrive là, il est surpris, les larmes coulent, mais voilà, ça nous fait pas plaisir de voir ça, mais ce sont les larmes de joie. J'invite la déesse, la princesse, la beauté, le charme, le tout, le maréchal Tiano. Elle s'appelle Madame Tiano Lyon, on peut l'applaudir encore. Voilà. Je me demande bien dans quel moule on a pu fabriquer une telle beauté pour un monsieur comme celui-ci. Ça c'est magnifique. On aura l'occasion de parler de la rencontre, votre rencontre plus tard. À vous la parole, madame. Je ne sais pas comment parler, c'est tellement émotionnel. Ladies and gentlemen, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers parents, bonsoir. Avant de commencer, je vais d'abord souhaiter un joyeux anniversaire à mon amour. C'est ça. Ceux qui nous connaissent savent que c'est tout partout. C'est tout. Et je veux aussi dire merci à tous ceux qui ont bravé cette pandémie pour être là aujourd'hui. Le soir du 15 août 2015, j'ai dit oui et je dis encore oui aujourd'hui. Je sais que tous ceux qui ont pu être ici ce soir ont bravé les restrictions, les mesures barrières pour être ici et j'aimerais vous souhaiter un bon retour. Et que le Seigneur vous ramène chez vous, sain et sauf. Je vais vous dire encore très grand merci parce qu'en ce moment, ce n'est pas facile de venir nous assister. Et je vous dis vraiment merci du fond du cœur. Et c'est que mon chéri aussi, c'est très reconnaissant. Merci à maman Pulchérie qui a pris cette initiative. Car elle m'a dit que il faut qu'on fasse quelque chose pour Maréchal. Moi, j'étais un peu, je disais, avec la pandémie, ça va aller. Après, quand ils ont commencé, on a dit, pourquoi ne pas essayer? Et le Seigneur nous a aidés. Merci, Maman Pucherie, pour l'initiative et le support. Et je veux aussi remercier le comité d'organisation. Vous les voyez, ils sont en bleu. Tout cela, ils ont vraiment bravé pour que nous ayons cette soirée. Et je les remercie infiniment. Je remercie aussi ceux qui ne font pas partie du comité d'organisation, mais qui nous ont beaucoup soutenus par derrière. Je vous dis infiniment merci. Les délégations qui se sont déplacées comme New Jersey, New York, pour venir ici, je vous dis infiniment merci. Et d'autres états que je n'ai pas cités, je vous dis infiniment merci. Et je ne vais pas vous tenir longtemps. Je vous dis bonne soirée, amusez-vous bien et bon retour chez vous. Et hey, princesse, ne partez pas. Princesse, restez là. Vous ne partez pas. Vraiment, est-ce qu'elle n'est pas belle cette femme? Est-ce qu'elle n'est pas géniale cette femme? Est-ce qu'elle n'est pas charmante cette femme? Est-ce que les femmes peuvent applaudir très très fort pour cette femme qui sait faire les bonnes choses? Vous avez dit en 2015, vous avez répondu oui, je n'étais pas présent. Beaucoup n'étaient pas présents. Maréchal Tiano, venez. Maréchal Tiano, venez. Vraiment, c'est la confirmation d'une union qui s'est scellée en 2015 officiellement et dont les conséquences positives se manifestent ce soir à travers cet anniversaire. Regardons tout simplement ce qui va se passer. Honoré, prenez le micro de madame.
Maréchal Thiano, nous ne sommes pas ce soir ici pour célébrer votre mariage, mais votre anniversaire. Et derrière cet anniversaire se trouve une grande dame qui a fait des merveilles pour qu'on se retrouve ici ce soir, malgré la crise sanitaire. Mettez-vous face à cette beauté africaine. Regardez-vous dans les yeux. Dites-vous maintenant oui, en geste, dans les manières. Pensez au soir du 15, j'allais dire de 2015, on veut rencontrer. 15 août. 15 août, voilà, je vous en prie. Regardez-vous dans les yeux. Allez, moi. Ils se disent encore oui. Ça, c'est magnifique. Et tout ce que je voulais. Les femmes adorent ça honorer. Les femmes adorent ça honorer. Regardez les femmes avec un sourire. Les femmes applaudissent. Magnifique, mon Dieu. Les femmes adorent ça. Les femmes adorent ça honorer. Entendez, c'est magnifique. Ma pastaille, s'il vous plaît. Il faut vous le dire. Je vous ai dit. On a évoqué ici la soirée d'hier soir. On a tout fait pour le dissuader. Mais il a tenu tête. On a expliqué un certain nombre de choses. Parce qu'on était en connivence avec Ninon et Pulchéri. On dit non, laisse tomber. Voilà ce qui va se passer, ainsi de suite, ainsi de suite. Maréchal a tenu. Et pour vous dire la petite histoire, c'est que hier, c'est Ninon qui a tout organisé à la maison. Hier soir, on a tout dit Ninon. Elle a tout organisé à la maison hier soir. Le maréchal était fier de t'imaginer qu'on se retrouvera encore ici ce soir. Wow. Avec mon nom à la manette. S'il vous plaît, on applaudit encore mon nom. Voilà. Je pense que le maréchal Thiano n'est pas sorti du ciel. Il a une génitrice, sa maman, qui a tenu un là ce soir, maman Thiano, pour qui je demande beaucoup d'applaudissements avant qu'elle prenne la parole. Voilà. Elle mérite. Maman, vous avez la parole. J'ai dit bonsoir à tout le monde qui est dans les salles. Je ne savais pas quand vous allez être ici aujourd'hui. Moi, pour les questions de Dieu, je ne connais pas. C'est Dieu qui vous a dit de venir ici aujourd'hui. Vous célébrez de l'anniversaire de Clément ce soir. C'est comme ça qu'on dit que l'amour. Si ce n'était pas l'amour, c'est que vous n'êtes pas ici. Vraiment, je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et vous, je vous disais qu'à rentrant, s'il y a même quoi en vous, ça passe, vous partez. Et je vous dis que bon appétit et bonne soirée. Yeah.
passer de ce côté. Florida Mekanga pour s'occuper de cette partie de la soirée. Eh bien, merci tout le monde. Bonsoir Maréchal. Je pense que c'est l'arrivée du gâteau. Hein. Mais le gâteau ne vient pas seul. Le gâteau vient avec quelqu'un de spécial, quelqu'un de particulier, quelqu'un que Maréchal connaît. Mais il est... ça va être une surprise exceptionnelle. Hein. Tu vas être éclaboussé ce soir, jeune frère. Et je peux te rassurer que même si tu souffres, j'ai le dunem. J'ai avec moi le dunem. Hein. Donc s'il a des problèmes... je vais t'en donner tout à l'heure. La solution est là. La solution est là. Je vous en prie, je veux madame et Maréchal Thiès. Vous pouvez pas rester dans le long. Attends, je suis le présentateur de cérémonie quand même. Voilà. Tu peux mettre là, on présente ta soirée. Il y a un animal qui est en train d'arriver avec ton gâteau. Tu es caché dans l'obscurité là-bas. Et il est sorti de la bouche. Tu connais quand même ces choses mieux que moi, man. Ah, s'il te plaît, s'il te plaît. Voilà. Je vous en prie, c'est très noir quand même ici. Hein. C'est trop... j'adore quand on me voit parce que je suis suffisamment mignon, n'est-ce pas? Donc, quand même, quand je suis dans le noir, ça m'embête. Ça m'embête. Si le gâteau est prêt, si le gâteau est prêt, et si notre invité surprise est prêt, je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie. Est-ce que tout est prêt? Du gros, est-ce que c'est prêt? Est-ce que l'invité surprise est là? Est-ce que l'invité surprise est là? Voilà, il est un peu masqué. Sous vos applaudissements, applaudissez ce gâteau, s'il vous plaît. C'est le gâteau du maréchal Diallo, j'attends les applaudissements. J'attends les applaudissements, je vous entends pas. Les mains dans les poches, ça veut dire quoi? J'attends les applaudissements, s'il vous plaît. Faites du bruit. C'est le gâteau du Maréchal Diallo. Et le personnage est encore caché. Maréchal. Tu reconnais le monsieur qui arrive là? C'est mieux que tu le vois pas, parce que tu peux tomber tout à l'heure. On est en train de le cacher. Hein. Tu es surpris? Madame t'a fait un coup terrible aujourd'hui. Hein. Tu dors dans le même lit avec le serpent, mon frère. Alors, je vous en prie, c'est bon. Laissez la surprise tomber. Vos applaudissements, s'il vous plaît, c'est un ami personnel. Les applaudissements. Ça dort ici, juvénile, les applaudissements, s'il te plaît. Il s'appelle, regardez mon ami, elle est là, elle regarde le téléphone. Je t'ai déjà dit que toute personne d'envoyer le téléphone à 10h à 7h, c'est le mensonge. Alors, merci. Je ne vais plus présenter le maréchal Diallo. C'est le frangin que j'aime beaucoup, hein, il le sait. Hein. C'est un anniversaire que sa femme et bien entendu sa sœur et le comité d'organisation ont mis des mains de maître. Et c'est tellement beau. Alors pour l'instant, tout ce qu'on va demander au maréchal Diallo, c'est non seulement de couper ce gâteau, mais de dire merci à ces gens qui ont travaillé si dur pour que tu sois surpris. Hein, parce que créer une telle surprise, ce n'est pas facile. Hein. Mais je vais comme ça inviter le maréchal Diallo à ce gâteau. Je vous en prie. On a besoin. Pas encore. Hein. Thank you.
chanté hier. Elle a chanté très bien. Et je voulais vous dire, ensemble, que l'année entière nous soit douce et légère, et que l'an fini, nous soyons tous réunis pour chanter en gloire. Bon anniversaire. Merci, 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 merci. Alors, les gens d'applaudissement, le maréchal Diallo va couper le gâteau. Ne ratez pas l'occasion. Ne ratez pas l'occasion. Coupez le gâteau, les pas paradis. Le maréchal Diallo, c'est parti. C'est parti, ratez pas. S'il vous plaît, j'adore ici. Et si j'adore, c'est parce que j'adore les filles là-bas. Merci, merci, merci. Ce soir, c'est lui qui a l'honneur, sa fille star. Est-ce que tu peux permettre à cet homme de pouvoir dire une ou deux choses à ces milliers de personnes qui sont là, de corps et d'esprit? Parce qu'il y en a qui sont là d'esprit. Effectivement. C'est pour ça qu'on a des milliers. On lui donne la parole tout de suite. C'est maréchal Tiano, vous avez la parole. Merci. Vraiment, je suis grandement ému. Je ne savais pas que ça pouvait m'arriver. Sincèrement. Je ne sais même pas quoi dire. Je vais simplement dire merci, grandement merci à tous ceux-là qui ont été derrière ce grand chef-d'œuvre. Merci, merci, merci. Vraiment, que le Seigneur vous protège et qu'il continue à vous donner. À mon épouse, ma bien-aimée Doudou, vraiment, tu es splendide. Je te connais très énergétique, mais aujourd'hui, tu me prouves encore que tu es plus que ce que je crois. Merci. Aux membres du comité d'organisation, le bisou ne souffre de rien. Le bisou ne souffle de rien. Aux membres du comité d'organisation, vraiment, grand coup de chapeau. Aux invités, merci. Vraiment, je n'ai pas eu une seule seconde. Ma femme m'avait dit qu'elle a une décoration le 6 depuis. Et j'avais normalement un marché à Chicago demain. J'allais faire un mariage. Mais j'ai mon ami qui m'a distrait avec un autre événement ici. Il m'a dit, Bruno, il est là, il me dit son grand frère à son anniversaire de mariage, et c'est quelqu'un qui m'a demandé de faire le MC à la salle de Jessop. Je ne pouvais pas refuser. Donc ça empêche directement que je me déplace. Et quand je sors de la maison aujourd'hui, ma femme me dit qu'il y a des corps quelque part, je ne sais pas, bon, moi je ne contrôle pas. Elle a ses marchés, si elle a besoin de moi, je vais lui donner un coup de main. Mais généralement, elle a les gens qu'elle préfère pour travailler avec. Vous savez que c'est ce qui se passait aujourd'hui. Et moi, quand je sors de la maison à 22h, mon ami Filoté m'organise encore dans un match. Il me dit vraiment, j'ai un problème de clé avec la voiture, viens me chercher à la maison. J'arrive chez lui, c'est même moi qui lui mets la pression parce que Bruno, lui, me dit d'être là à 22h pour organiser le mariage de son frère. Je vois, il est 22h40, je suis chez Filoté. Je lui dis, mais gars, alors, il ne faut pas que Bruno pense que... Voici exactement ce que j'ai dit à Filoté. Il ne faut pas que Bruno pense que parce que c'est un coup de main que je dois arriver en retard. Allons-y. Je lui mettais la pression, il tournait. Finalement, quand j'arrive ici, je suis à l'extérieur, je vois Honoré, jusqu'à là, je me rends compte de rien. Je l'appelle quand je lui dis, bonjour, parce que moi, je vous dis qu'il a certainement un événement ici qu'il fait, puisqu'on était à la maison hier. Et vraiment... Applaudissez pour vous-même. Comme j'ai dit, je voudrais dire, je suis peut-être devant vous ici, mais nous sommes une grande famille. Et je voudrais dire merci à vous tous. Également merci à toute ma famille proche que vous avez déjà vu
je voudrais une fois de plus les rappeler ici. Alex Diao, Puchéri, le grand Chibou, la maman, s'il vous plaît. Vous savez, je ne suis qu'un maillon dans cette chaîne-là. Pardon, s'il vous plaît, venez. Venez, le grand. Je suis le tout petit. Vraiment. C'est grâce à cette maman que je suis ce que je suis. C'est grâce à cette famille que je suis ce que je suis. C'est grâce à cette femme que je suis ce que je suis. Vraiment, je ne peux pas continuer à parler. Je voudrais simplement, au nom de notre famille, vous dire merci, merci, merci. Tous ceux qui sont ici ce soir représentent beaucoup pour moi. Mais vraiment, comme il a dit, on ne peut pas passer cette soirée à faire des témoignages. Une fois de plus, merci. Seigneur, nous voulons te dire merci infiniment. Oui, Seigneur, nous voulons te louer, te glorifier, t'adorer. Te dire merci parce que c'est grâce à toi que nous sommes ici aujourd'hui, Seigneur. Avant toute chose, nous voulons magnifier, adorer, glorifier ton nom, Seigneur, car tu es bon. Oh, Seigneur, qu'est-ce que tu es bon. Malgré tout ce qui se passe en ce moment, tu as permis, non seulement que nous soyons présents, mais Seigneur, tu as permis que nous ayons ce souffle de vie, que nous prenons souvent pour acquis, Seigneur. Nous respirons. Il y a des gens qui se sont réveillés ce matin. Ils n'ont pas pu voir cette soirée. Seigneur, nous te disons merci infiniment pour le souffle de vie. Merci pour ton amour inconditionnel, ton immense bonté. Ta miséricorde est sondable, Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que nous pouvons te dire que tu ne sais pas encore, Seigneur? Nous te demandons pardon. Car avant toute chose, nous ne sommes tous que des pauvres pécheurs. Et chaque jour, nous commettons l'iniquité. Chaque jour, nous faisons ce qui est mal à tes yeux. Seigneur, pardonne-nous. Trempe-nous dans le sang précieux de ton Fils unique Jésus-Christ, Papa. Que le sang précieux de ton Fils unique Jésus-Christ nous lave, nous purifie, nous sanctifie. Nous purge de toute souillure, de toute impureté, de tout esprit, toute force, tout pouvoir, toute incantation, toute alliance diabolique, Seigneur. Quand nous sommes entrés ici, Seigneur, c'est grâce à toi que nous allons rentrer. Grâce à toi aussi, nous allons rentrer. Saint et sauf, Seigneur. Seigneur, nous te confions cette soirée. Tu as permis qu'elle commence. Tu vas permettre aussi qu'elle finisse. Éternel, bénis Maréchal, car c'est grâce à lui que nous sommes ici. Seigneur, bénis Maréchal, parce que c'est toi qui lui as donné ce cœur grand qu'il a. Il est ici avec sa famille, tous ceux qui l'aiment, tous ceux qui sont ici, c'est parce que nous avons un amour profond pour lui. Seigneur, bénis-le. Nous te remercions pour que tu as béni qu'il puisse voir une nouvelle année. Nous te remercions pour que tu as béni que cette soirée soit possible. Seigneur, derrière Maréchal, il y a une grande famille. Bénis sa grande famille, sa maman, son frère, ses frères, ses soeurs. Bénis surtout sa femme et ses enfants. Bénis cette famille, Seigneur. Que cette famille ne manque jamais de rien, Seigneur. Que l'Esprit Saint les guide en toutes circonstances. Que ta lumière brille sur cette famille en toutes circonstances, Seigneur. Nous qui sommes présents aussi, Seigneur, bénis-nous. Parce que tu as dit dans ta parole que tout, dans Proverbe 18, verset 21, tu as dit que tout, c'est au niveau de la langue, Seigneur. Nous proclamons ce soir que nous sommes des vainqueurs et non des vaincus. Nous nous confions, nous nous remettons entre tes mains, Seigneur. Prends contrôle de cette soirée. Bénis le repas que nous allons saluer. Bénis les mains qui les ont préparés. Procure à ceux qui n'en ont pas. Et comme tu as dit dans ta parole, Seigneur, dans le verset 145 du verset 18 à 19, Éternel, tu as dit que tu écoutes tout ce qui t'invoque avec sincérité, Seigneur. Nous proclamons ce soir, Seigneur, que tu te manifestes, que ton nom soit glorifié dans nos vies, afin que nous ne vivions que pour ta gloire et non pour les choses vaines et passagères de ce monde, Seigneur. Que nous ne vivions que pour les choses éternelles, Seigneur. Que nous ne vivions que pour toi, Seigneur. Dans toutes circonstances, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Éternel, c'est au nom tout puissant de ton Fils unique Jésus-Christ que nous t'avons prié et que nous te prions toujours. Amen. Amen. L'anniversaire de Maréchal, au nom de son ami Milan, tout simplement, quand les gars font tchat, les gars sont pas dans la salle, quand les gars font tchat, c'est elle. Merci pour cette décoration. Ça fait ça. Je pense que le moment est venu d'aller au buffet et Maréchal
Et Madame Thierry, normalement, vous pouvez se donner.
Parce que quand tu as une âme de plus, tu pars à ta vieillesse. Moi, je refuse de vieillir. Hein? Fabio, ça, excusez-moi à part. Je vais vous poser des questions d'intelligence. Hein? Entre le père et la mère, qui rentre tard à la maison? Non, répondez sincèrement. Entre le père et la mère, qui rentre tard à la maison? Entre le père et la mère, qui dort dehors? Qui? Entre le père et la mère, qui boit trop? Entre le père et la mère, qui saoule souvent? Pourquoi on voit toujours le père, donc la mère, voilà. Bon, entre le père et la mère, qui pète au lit? Hein? Parce qu'il y a les larmes qu'elle tombe. On dirait que les respirations, c'est sur les fesses. Tu comprends pour. Non. Bon, entre le père et la mère, qui n'ose manger la voisine? Hein? Bon, entre le père et la mère, qui est le premier à demander le. Attends, entre vous, j'ai dit demander le quoi? La mère. Maintenant, entre j'ai dit demander le quoi, il dit la mère. Je vais demander de ce côté, sur quoi? J'ai dit entre le père et la mère, qui est le premier à demander le quoi? Le père. J'ai dit demander le quoi? Demandez le quoi? Ce qu'on donne à lui. Hey! Alors applaudissez d'abord pour elle. On donne souvent quoi la nuit? Vous applaudissez comme ça, on donne souvent quoi la nuit? Le papouet. Hein? Le plantec. Hey! Vraiment, s'il vous plaît, la fin-ci, c'est vraiment surprise sur tous les sens. Jusqu'à ce qu'on me crée une surprise pour jouer, mais moi-même, j'ai oublié mes lunettes dehors. Parce que c'était une surprise. L'anniversaire surprise est bon ou c'est pas bon? C'est bon ou c'est pas bon? Mais par contre, j'ai une anniversaire surprise, ça m'a créé des problèmes toute ma vie. Vous pensez ce qui s'est passé? Le jour de mon anniversaire, je ne peux pas mentir. Je me réveille chez moi. Ma femme que je dors au lit avec elle tous les jours, elle ne me dit pas joyeux anniversaire. Mes enfants ne me disent pas joyeux anniversaire. J'arrive au bureau, oh papa, eh hey, aïe, oh fais comme ça monsieur, ça ne me laisse pas, la surprise de maréchal peut devenir ma surprise, ça ne me laisse pas, j'ai le loyer à payer, au Cameroun on ne paye pas le loyer, ici là mon frère, les billes que tu es, comprenez mon problème, même si vous me donnez pour après je vous rends, c'est pas grave. Oh, monsieur le photographe, suivez les billes, comme ça va là-bas, parce qu'on vous connaît. Quand un frère photographe est en train de te filmer, quand c'est un billet de 100 dollars, il vient, tu n'auras pas pour bien le suivre. Alléluia! Oh mon Seigneur! Oh merde! J'ai dit la fin sinon. J'ai dit que j'ai fait ma part, l'anniversaire surprise, c'est tombé de surprise sur moi. Personne ne me dit joyeux anniversaire. J'arrive au bureau. Mes employés où je paye avec mon argent, personne ne me dit. Joyeux anniversaire. Je m'installe. Oh, tonton maréchal, ya. Eh, je vole. Je ne sais pas pour nous, papa. Ça me laisse pas. On appelle ça le gratteur, gratteur. Quand tu crades un gratteur, lui venait ce soir pour gratter un mariage. Il venait au pointage. Même comme c'était une job. Il veut confirmer que même le jour là, souvent on paye par autre chose. Il est venu se tomber pour sa part. Nous on pointe sur toi, papa. Ta mère continue à organiser son anniversaire. On va pointer sur toi. Moi j'ai de c'est le sang à l'air. Ne vous disais donc que personne ne m'a souhaité joyeux anniversaire. Par contre, la chance me souvient que je m'assois au bureau. Ma secrétaire à qui j'ai confiance, elle vient vers moi et dit, monsieur, joyeux anniversaire. J'ai dit que merde, dans toute ma vie, il n'y a que toi seul qui a pensé à moi. Après, elle me dit, non, patron, je vous donne votre cadeau d'anniversaire chez moi le soir à 20h. J'ai dit que merde, bingo. Ce que chaque patron.
7h, j'étais chez elle. Dès que ma personne est arrivée, elle me dit, installe-toi au canapé, je veux me charger, j'arrive à te donner le cadeau d'anniversaire. Me voilà installé. Avant 5 minutes, j'étais déjà en tenue d'Adam et Ève. Ah, pour ceux qui ne connaissent pas la tenue d'Adam et Ève, demandez à votre voisin. Avant 5 minutes, me voilà donc installé. Je comprends derrière moi. Joyeux anniversaire! Et puis je sors! Bing! Qu'est-ce que je vois? C'était grave! Tout le monde! Mes enfants! Ma femme! Mes employés! Et je suis en tenue de pomme d'Adam! À poser pour l'anniversaire surprise! Si vous la posez pas, si vous êtes jaloux! Tonton Marjane, vous pouvez le finir l'anniversaire surprise! Bon, Fabio, excusez-moi, j'ai... Oh, Papa Chaka, oh, nous voilà, oh, c'est le créateur de Marc Chaka au Finland, le créateur de Marc Chaka aux États-Unis, en Afrique. Mais tu l'as pas avec le reste. Viens, viens, non, c'est moi, comment, viens, 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 tu commences à donner des règles, tu commences à donner des règles. 1, 2, 3, 4... Avancez. Fabio, comment que j'utilise la soirée si pour faire ma part? Je sais que j'ai des problèmes de loyer. Mais il faut que je libère la place pour que les gens viennent danser. Les gens ont porté des derniers cris de leurs vêtements. On prend l'anniversaire, on dit le dress code. On met le plaque. Moi aussi j'ai porté le plat. Où je suis seulement que ma femme est morte avant que je porte le plat. Où le plat de bois que j'ai porté. Dress code. Avant de porter souvent dress code, il faut souvent confirmer que ça ne laisse pas les gens. Oh, oh, qu'est-ce que tu dis? Oh, donne-moi, je vais te rembourser après. Tu es mon ami. Donne-moi, Seigneur. Oh, donne. Je vais te rembourser. Oh, merde. La blessure est bon, hein. Le travail c'est dur. Ramasser même seulement l'argent là c'est pas facile. Je suis arrivé aux États-Unis, on dit que mes frères, tu connais travailler quoi? Je dis je suis humoriste, on dit malade. Il n'y a pas 100 ans de jargon, les emplois aux États-Unis. Je dis que je peux faire quoi? On dit que tu peux être oncle. Donc voilà, je commence le oncle. J'arrive la première journée. La femme qui travaille sur elle, elle a chié, j'arrive. J'ai dit, mais, c'est moi qui m'a lavé ça, malade. Quand j'ai démissionné, on a dit, mais voilà, tu peux aller garder les fous. J'arrive à garder les fous. La première semaine, j'avais faim. Je dépose mon pain le goûter pour manger. Je veux faire une touche, je viens que le fou à ramasser pour manger. Je vois la caméra, j'ai dit, mais papa, tu es mort. J'ai fait le plan, j'ai ramené le fou. Oh, papa, Eric. Papa, Eric. Là, vous me faites ramasser encore, tu vois. Je ne voulais plus me couper, mais tout moi. Je vais vous couper ici, je vais vous couper. J'ai tiré le fou là, dans la douche. Mouf. Je vais le mettre. Il peut jamais le mettre. Dès qu'ils sont commencés à pleurer, j'ai dit, oh, combien l'eau te fait mal, combien? Mon Dieu, c'est bon. Oui, ça va. Tu sais que quand le balotage arrive comme ça, les inspirations arrivent. Je ne sais pas comment vous puissiez arriver dans le monde. Mais là, me demandez des messieurs, c'était pour pointer. Si le gars a dit des choses pour moi, il m'appelle à me libérer, je tiens à me marier. Merci. Le pantalon. Magnifique. Il a réussi à nous arracher le sourire. Merci, Bifaga. Je suis venu pour te toucher.
Maréchal et merci madame. Vous ne partez pas, parce qu'on va procéder au second tour d'honneur spécial avec tous nos invités. Donc Didier Benji, tu vas parler des meilleures sonorités musicales. Et je vais donc inviter tout le monde à se retrouver sur la piste pour parce que nous voulons nous traîner aussi, nous voulons danser jusqu'au petit matin. Il n'y aura plus d'interruption, à moins que nos comités d'organisation ne décident autrement. Donc la piste reste libre.
récupère la petite, embrouiller la petite, embrasser la petite, et maintenant coller la petite. Olé, 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 Oye, Mané, 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 O